Bonjour Roslane. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Super, super. Ça fait plaisir d'être ici. Bah, bienvenue dans nos cuisines, merci. Dans l'antre de la cuisine. Ouais, ouais, parce qu'en fait, on est où là? On est dans le bureau, hein, c'est ça? Ouais, donc là, on est le bureau au milieu vraiment des cuisines. Hein. Et ton parcours à toi, du coup, ça commence comment? Et ah ben, bah, moi, je suis rentré commis ici. Commis? Ouais. Il y a combien de temps? Bah, c'était il y a 40 ans. Et c'était un rêve de venir dans cette maison particulièrement? Moi, quand je suis rentré ici, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet hôtel, c'était donc l'hôtel de la famille Hoetker, hein, qui est toujours aujourd'hui. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie ambiance familiale pour un hôtel aussi grand. Et c'est vrai que quand je suis parti du Bristol, je m'étais dit, si un jour il y avait une place de chef à prendre, elle me conviendrait bien en tout cas. Et ce rêve est devenu réalité il y a 20 ans, puisque ça fait 21, presque 22 ans maintenant que je suis là. Et à l'époque, c'était déjà une table aussi reconnue que celle-là aujourd'hui ou un peu moins, parce qu'il n'y avait qu'une étoile. C'était Michel Del Burgo qui était le chef, qui est parti pour d'autres aventures. Donc il y a Monsieur Ferchaud qui est venu, parce que moi j'étais installé dans le 19e, qui s'appelait, le restaurant s'appelait La Verrière d'Eric Fréchon. Et il est venu me chercher pour me demander si ça m'intéressait de prendre la place de chef. Dans la première année, on a gardé la première étoile. La deuxième année, on a eu la deuxième étoile. Ah, donc tu te dis, bon, quand même, on fait les choses bien. Après, on a mis 10 ans quand même pour avoir la troisième étoile. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on a la troisième étoile, ce jour-là, quand on apprend que ça y est? Bah, c'est un moment, ça reste l'un des plus beaux moments de ta vie, quoi. C'est comme la naissance d'un enfant, c'est ton mariage. C'est son bébé, quoi. Bah, oui, c'est magique, quoi. Du coup, comment tu définirais ta cuisine? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, en fait? C'est, j'aime bien faire découvrir des produits qui ne sont pas forcément nobles, et que l'on anoblit par le travail, en fait. Et c'est de prendre ce produit et puis de le rendre justement 3 étoiles. C'est ça qui est... Ça, c'est ta spécificité. Ouais, c'est magique. Bon. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y en a un que tu veux nous faire découvrir en particulier, dont tu voudrais nous parler aujourd'hui? Alors moi, j'ai pensé au merlan, parce que je trouve que le merlan, c'est un poisson qui est assez... qu'on ne retrouve pas dans les 3 étoiles. Les pêcheurs vont nous sélectionner les 4-5 pièces qu'on a besoin. Parce qu'eux, ils font 1,2 kg. Donc c'est une taille qui est très spécifique, qui est rare. Et nous, on va aller travailler donc après en 3 étoiles. Bah, c'est super, on va aller voir ça. Allez, on y va. Donc là, dans la recette, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Hein. C'est pour ça la mise en valeur, elle est importante. On ne va pas mettre 50 produits dans l'assiette. On préserve la qualité du produit. Du tétragone. Donc on enlève juste la queue. Les merlans qu'on a vus, donc on les a levés en filet. On les a désarrêtés. Tranche de pain. On y colle quelques amandes de sel et de poivre et on va le poser sur le pain. Tu vois là, il y a juste un tout petit frémissement là. Ouais. Ça fume pas, ça va cuire gentiment, ça va colorer gentiment. On n'agresse pas le poisson. Un thermomètre digital. Exactement. C'est-à-dire que là, je pique au plus épais et au milieu. Ouais. Je le mets à la lèvre, savoir si c'est froid, si c'est tiède plus, tiède moins. Et il faut que ce soit? Que ce soit à peine tiède. Tiède. C'est un métier, la cuisine. Bah ouais, tu vois ça? Et on en apprend tous les jours. Même encore moi, j'en apprends tous les jours. Je revérifie ma cuisson. Parfait. Donc là, je dresse la salade de tétragone. La cuisson, elle est juste faite par la vinaigrette. Donc là, on a la version 3 étoiles du merlan, d'Épicure. Et donc là, je vais vous emmener à Lazare. Je vais vous faire voir une autre version qui est donc plus brasserie. Super. Donc dans une autre version qui est complètement différente. Ah bah allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Bah ici, donc c'est le restaurant. Donc nous, on appelle un lieu de vie parce que ça vit de 7h30 le matin jusqu'à minuit le soir. Je voulais qu'on sente comme si on était dans une salle à manger, d'où ces étagères avec beaucoup d'assiettes, tous les verres, comme si on était un peu à la maison, une cuisine ouverte où vraiment on n'a rien à cacher, on cuisine devant les gens. Donc là, nos merlans, donc une autre version, brasserie, fish and cheese, et je vais vous faire voir la recette. Eh ben super. Donc j'ai enlevé la peau.
Et là, je les passe à la farine. On les tape bien de manière avec bien l'excédent de farine. Alors du coup, il y a quoi dans ici là? Donc là, le merlan, je l'ai passé dans la farine. Ouais. Après, j'ai passé dans ce qu'on appelle une anglaise. C'est des œufs battus avec un petit peu d'huile et de la chapelure de pain. Ouais. Et les chips. Et je trouvais beaucoup plus intéressant de mettre des chips dedans parce que ce sera déjà beaucoup plus croustillant et beaucoup plus agréable. D'accord, donc ça apporte du croustillant aussi. Exactement. D'accord. Tous ces plats, ça s'est imposé comme une évidence pour toi, là, pour ce restaurant? Oui. Enfin, j'ai mis des plats que j'avais envie de manger assez facilement, plutôt des plats du coup un peu ménagers. Et à côté de ça, quand même, je me dis, si tu as un repas d'affaires, tu n'as pas forcément envie de manger peut-être une blanquette de veau. Ouais. Donc de faire des choses un petit peu plus travaillées aussi, et des choses un peu plus légères. Ouais, donc tu as les deux options quand même. Exactement. Ici, si on ne trouve pas son bonheur dans la carte, en fait, je comprends pas. Non, mais c'est vrai, on essaye vraiment de faire pour tous les goûts. Donc là, on va les passer tout simplement à la friture. Et ça, ça cuit combien de temps? Voilà, 3 minutes, c'est cuit. On a réussi à garder les chairs, à garder l'humidité du poisson tout à l'intérieur, donc ça va être hyper moelleux. On est dans le produit, on est dans le cœur de laitue, on est dans le merlan pané, tout ce que j'aime manger, ouais, en fait. Ça. Moi, j'aime bien quand c'est simple comme ça. Bah ouais, c'est simple, ça, c'est parlant, c'est franc. Voilà, c'est ça. Mm. Bah, c'est à mon image, quoi. C'est super bon. Hein. Bah, merci à toi. Et puis, à très vite. Hein. Bah oui, avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Ciao, Roustan.